Yo, bonjour, bonsoir les amis, bienvenue à l'épisode 6. J'espère que tout le monde va bien, les amis. On va continuer ici. On avait fini de rechercher dernièrement. On a fini de rechercher, mais malheureusement, on n'a pas de quoi construire. Donc là, on va rechercher. Non, c'est pas ça. Élimination de pollution. Ah ouais. On va plutôt chercher. On va pas laisser là. On va chercher plutôt d'abord le béton. Pourquoi je peux pas? Ah non! Est-ce que je peux l'annuler? Ah, je crois qu'on peut pas annuler. Ah, on peut pas annuler. Une fois que c'est lancé, on peut plus annuler. Bon, bah tant pis. Donc, pour chercher le béton, maintenant il faut malheureusement des points de science. Sans points de science, on n'arrivera pas. C'est dommage. J'ai tout dépensé. J'ai été un peu trop vite. J'aurais pu anticiper, récupérer d'abord le béton avant de faire la recherche sur les autres. Bah, pensez-y, les amis, hein. Parce que. Ça sert à rien d'avoir. Ça sert à rien d'avoir la technologie et de ne pas pouvoir construire. Sans béton et sans métal, sans ces deux-là, sans ces deux éléments, on pourra pas construire. D'accord, les amis? Pensez-y, pensez-y. Alors. Ok. Ok, très bien. Comment ça se fait qu'ils ont toujours faim alors qu'on a plein de bouffe Bon. Ok, c'est fait. Alors, ici, ça se ménage bien ou pas? Tiens, ici, vous savez quoi? Est-ce que je les laisse continuer à planter parce que j'ai besoin de matière? Ouais, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui produit là? Parce que... Des outils, objets, modérément. Pour l'instant, on récupère, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui en fabrique. Et non, il n'y a personne qui en fabrique. Ouais, même ça aussi, il faut faire la recherche, malheureusement. On va envoyer une personne, on va sacrifier une personne, sûrement lui. Ah non, quand même pas. Parce qu'en fait, lui là, il a 20 de dégâts et il sert beaucoup pour les attaques des autres camps ennemis. Oh! Elle est pas terrible. Mais elle fait 100. Par contre, elle va pas très vite. Elle fait que 6 pas. Elle fait 6 pas. Alors que elle. Elle fait 200% de recyclage, les amis. 200%. Et elle, 250. 150. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas elle, elle est déjà meilleure. Alors si c'est à virer, c'est entre ces deux-là. Mais malheureusement, lui, il a combien? Lui, il a 20 de dégâts. Lui aussi, il a 20 de dégâts. Elle, elle a 25 de dégâts. Et lui, il a combien de dégâts lui? 20 de dégâts aussi. Et il faudrait plusieurs personnes de 20 de dégâts pour pouvoir attaquer les camps tranquillement et rapidement. Elle a fini l'autre? T'as pas fini? Ok, on va attendre un petit peu. Elle, dans un jour. Un jour aussi, elle. Ah, elle est rentrée. Ouais, elle est rentrée à la maison. Qu'est-ce qu'elle transporte sur elle? Beaucoup de choses. Voilà. Voilà ce qu'elle transporte sur elle. Et si elle était rentrée un peu plus tôt, eh ben on n'aura pas perdu les 4 colons. C'est quoi ça? Ah oui, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a ici? Boîte de divertissement, vous voyez? Donc il va falloir qu'on produise. Soit on en produit, soit on en achète. Et si on veut acheter, il va falloir faire un échange avec les gens. Et pour pouvoir faire un échange, il va falloir qu'on produise beaucoup, beaucoup de poissons. À mon avis, ici, il ne doit pas avoir beaucoup de poissons. Ah, une seule personne, il manque encore du monde.
Dans mon ancienne partie, j'en avais énormément de poissons à vendre. Et là, nourriture, nourriture, nourriture. Je vais voir si je peux poser là, mais de toute façon, nourriture, c'est où? Ah là. Cabane de pêche. Je vais voir si je peux poser là. Est-ce que ça rapporte? 66%. 50. 86. We've made a 84. new discovery. Ah, ça y est. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Élimination. Ah, ça y est, les deux sont débloqués. Fabrication d'armes. On va attendre un tout petit peu. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas. J'ai pas. Donc je vais devoir... On va devoir lancer et mettre en attente. Je sais pas si on peut mettre en attente, mais ça m'étonnerait. Recyclage de béton. On peut pas mettre en attente parce qu'on n'a pas assez de points de science. 350 quand même, hein. Ils ont intérêt à aller chercher vite. Je pense que ce monsieur-là et elle, c'est eux qui vont devoir s'en occuper le plus rapidement possible. Bon, bah tant pis, on va attendre, hein. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. J'ai vraiment envie de liquider une personne là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Recycleur. Il n'y a plus de plastique. Ok. Déplacer la zone de travail. Ah bah tiens, il y en a là. Voilà. Voilà, c'est bientôt terminé, c'est cool. Faut absolument qu'on fabrique les armes, parce que les armes, ça se vend à prix d'or. Et en plus de ça, ça peut défendre bien, bien, bien comme il faut la colonie. Oh, ça met du temps quand même, hein. Je pense qu'on va tuer les rats. On va les tuer parce que eux, ils bouffent tous nos champs. C'est pas bon plan ça. Ils vont nous attaquer, regardez. Malgré que ce sont des rats, ils vont nous attaquer, regardez. One shot ou pas? Eh, pourquoi tu t'approches comme ça? Regardez. Ah ouais, ils osent nous attaquer, hein. Oh mais elle est merdique, elle. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Recherche 150. Ah ouais, moi je veux pas des gens qui attaquent avec des armes comme pourries comme ça là, c'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose, hein. Oh. Ça y est, il a fini. Yes, voilà. 19 boîtes, il peut prendre sans problème, hein. 10 heures, il est rapide pour l'extraction. Oh là là, j'ai envie de l'envoyer à l'extérieur. Je pense que je vais l'envoyer à l'extérieur parce qu'on a besoin de récupérer ça là. Je vais l'envoyer à l'extérieur. J'ai pas envie de la garder. Attaque avec arbalète, c'est vraiment nul. Allez, c'est parti. Je vais l'envoyer dehors. Donc, c'est où? C'est là. Voilà, avant-poste. Créer un colon. Tu vas aller en avant-poste. J'ai pas besoin de toi. Voilà, et on va l'envoyer. C'était où déjà? C'est pas ça là? 30, voilà. 30, on va l'envoyer ici. Consider it done.
Voilà, en 3 tours, elle sera arrivée. Alors, toi, t'en es où? Et voilà. The first location is a long trek away from the nearest city. The structure on this site is in even worse condition than the one before. Bon, en gros, hein, d'accord. Ouais, c'est pas grand-chose, mais je vais lire quand même. Comme ça, on complète l'histoire. Le premier site est à une longue distance de la ville la plus proche. La structure de ce site est plus abîmée que la précédente. Les piliers de soutènement du bâtiment sont partiellement fondus. Les ruines et les profonds cratères faits par des bombes sur le sol racontent comment cet endroit a été détruit lors des guerres de succession. Ces conflits sans fin. Oh, mais laisse tomber, c'est bon là. Bon, où est-ce que je l'envoie, elle? Ah, ici. C'est perpète quand même. Attends, je vais l'envoyer où en premier? Ici peut-être. Allez, on va l'envoyer ici. Ah, elle peut plus bouger. C'est plus son tour. C'est plus son tour. Elle devrait aller visiter cette zone-là. On va quand même récupérer cette partie-là, 233. Ça permet d'avancer un peu plus vite. Elle vient de partir. Lui, il en a pour encore une heure, une journée. Elle peut plus bouger. Et elle? All right. Une journée aussi. Oh là là, c'est long. Bon, bah tant pis, hein. On revient à la base. Ouais, regardez. Va falloir qu'on trouve un moyen d'acheter une vache. Et oh, pourquoi il est mort lui? Oh, de vieillesse, il m'a fait peur. Ok, on va mettre une personne là-dedans. Sinon, on va avoir des problèmes d'épidémie. Camp de bûcherons, on en a peut-être un peu trop. Je vais enlever une personne. Et je vais les mettre là. Ah, encore quelqu'un d'autre a pris. Mince! C'est qui m'a pris là? Oh, il est malade. C'est pas vrai. Putain, c'est qui m'a piqué la personne? Ah, lui aussi, il est mort. Oh, ça fait deux morts. Oh my god! Oh! Et pendant ce temps-là, les autres colons ne viennent pas. Il y a un problème là. J'ai trouvé toutes mes forces. Ok. Mais là, où sont passés mes trucs, mes personnes? Va falloir qu'on enlève des personnes, mais je sais pas lesquelles. Ils sont tous complets. Ah, là, il y a deux personnes. On enlève une. Et on va le mettre là. Voilà, ça y est, il est fait. Il va ramasser. Et après, on l'enlève. Et quant à lui, on va le repositionner sur les toilettes pour qu'il répare tout le temps les toilettes. Voilà. L'hiver n'est pas encore arrivé. Ça fait un long bout de temps qu'on n'a pas besoin d'utiliser le chauffage. Donc j'avais fini de faire la recherche. Oh, 4 colons irradiés, il me faut un docteur, vite, vite, vite. Ça y est, il a ramassé. Ils ont fini? Oh, cool. Ok, bah puisque c'est comme ça, on va ramasser la viande, hein. Ça sert à rien de rester, de laisser là. Un ici. Elle a pas fini. Elle a sûrement fini. Normalement, elle, après ça, elle a fini. Attention.
Voilà, elle a fini, je pense. Donc, on va l'envoyer récupérer un morceau de viande qui se trouve ici, là, du sanglier. Comme ça, on va pouvoir construire la route. Sinon, ça va nous gêner pour la route. On n'a pas encore développé ici. 21 places. Oh mon Dieu, 21 places. On a des problèmes là. On a des problèmes de santé. Il va falloir qu'on enlève une personne. Bâtiment de recycleur. Peut-être le bois, on va enlever une personne pour l'instant. Camp de bûcheron. Ouais, on va mettre un docteur ici. Mais c'est qui me pique là? C'est pas croyable ça quand même. C'est qui m'a piqué les... Mince alors! Oui, pour économiser le temps, le travail et tous les amis, pensez lorsque les colons sont, les spécialistes sont à la maison, faites-leur ramasser, si vous voulez, le maximum de choses qu'ils peuvent faire à la place des autres. Par exemple, on prend un exemple, ici il y a plein de baies là. Si on devait laisser ramasser par les colons, ils prendront beaucoup trop de temps, alors que si c'est eux les spécialistes qui le font, il faut toujours les mobiliser pour pas qu'ils restent sans rien faire. Voilà, si c'est eux qui le font, ça va aller très très vite. Comme ça évite... Ça évite, ça vous permet de libérer. C'est quoi ça? Ça vous permet de libérer des colons libres hein, pour qu'ils puissent faire d'autres tâches. Mince, je trouve pas une personne pour. Je l'ai enlevé pour qu'il travaille. Et du coup, il est parti ailleurs. Je sais pas où il est parti. Et là, j'ai toujours pas de colons qui arrivent. Je suis dégoûté. Les vêtements, on en a besoin, j'ose pas les enlever. Carcasse de sanglier fait. Ok, on va le laisser poser et on va l'envoyer chercher ailleurs. Voilà. Voilà, le truc c'est marrant, hein, regardez. Il était en train de transporter la viande, vous lui donnez une autre tâche, il pose par terre et c'est un autre colon qui vient derrière pour le ramasser, c'est pas mal hein. Alors, on en est où? Ah mais elle a pas fini encore. Oh, c'est dommage. Ah ouais, quand même, hein. Là et là, ça fait 100 et quelques pièces. Yes! Il a pris, c'est bon. Alors, on va le faire visiter cet endroit-là. Comme il est rapide. Ah non. C'est pas grave, tant pis. Non, tu peux plus bouger. Elle est très fatiguée. Il faudra la surveiller, sinon elle va mourir. Elle finit ça et elle va sûrement rentrer aussi. Lui, il est bien fatigué. Il lui reste 16 heures. Donc, il va arriver. Il sera tout vidé. Il sera vidé de... Ok, alors on va faire livrer quelque chose. On va vérifier ensemble pour voir si on peut faire livrer des choses. Je pense pas que pour le loisir on en a suffisamment. Donc, ça y est, on a beaucoup de nourriture. Voilà, les choux, c'est blindé de choux. Donc, on va pouvoir vendre un peu les choux. J'espère que ça a une bonne valeur, hein. J'espère vraiment que ça a une grosse valeur, une très bonne valeur pour vendre. On va essayer.
Ah, c'est pas fini encore. Bon. Il y a toujours personne qui arrive. J'ose pas jouer vite parce que j'ai peur de me planter entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Ah, il y a encore un autre mort là. Mince! C'est pas vrai ça! À cause du décès vieillesse. Ah, c'est parce que... Ok, quand je l'ai enlevé, il manquait une personne ici pour l'eau. Du coup, dans l'eau, il y a trop de monde. J'enlève une personne. Comme ça, je vais mettre ici. Est-ce qu'on a encore des malades? Je sais pas trop. Ah non, il n'y a plus de malades. Il n'y a plus de malades. Ok, c'est pas grave. Donc, on va le mettre là. Ah, bah il est parti où? Ah, il est parti là. Ok, on va attendre un tout petit peu. S'il n'y a personne, on l'enlève. Et on va le mettre à travailler le bois. Pour l'instant, le bois, on en a beaucoup. La pollution. Camp de bûcheron, forestier, recycleur. Pour l'instant, j'ai pas. Hein. Garde-manger, entrepôt, stockage, décharge. Décharge. 55. Est-ce que je vais le poser tout de suite à l'avance? Pollution toxique. Ah voilà. Donc la décharge, elle va être complètement pourrie. Elle va tout le temps être sale et polluée. Donc il va falloir le poser dans une zone où... le centre de réparateurs puisse tout le temps réparer. Donc on mettra pas à côté des maisons, mais à côté des chiottes, à côté des toilettes. Sûrement dans cette zone là. Comme ça on peut concentrer toute la réparation dessus. Je vais le mettre ici en préparation. Et ce cercle là je vais le poser comme ça. Comme ça il va réparer absolument le tout. Voilà, vous voyez, à peine posé il y a déjà un enregistrement. Voilà, c'est parfait. On va aller en extérieur. Ah tiens, bah comme ils sont tous là, on va les mettre. Je sais pas si tout le monde peut construire en même temps. Je crois pas. Hein. Non, on peut pas. On peut pas mettre tout le monde. Voilà, voyez. Si j'avais mis lui, par exemple, il aurait été. Mais si je mets les autres... Oui, il va pas. C'est lent. Oh, j'aurais pu jouer en vitesse 2. Mais quel crétin. Spécialiste en danger. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Spécialiste en danger, comment ça? Aux portes de la mort. Je crois que c'est lui. Il reste combien de temps? 6 heures. Est-ce qu'il tiendra le coup? Franchement, là, si je fais une grosse bêtise... est-ce que je continue de prendre le risque? 6 heures. Il peut très bien mourir. Hein. Yes. Ça peut être super dangereux. Bon. Yep. Je prends le risque. What do we have here? Je prends le risque et je vais le surveiller. On va voir s'il finira avant. C'est dangereux, hein. Ça craint. Ça craint beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour troquer? Ce serait bien de troquer. Est-ce que je peux vérifier ici? On a 40 caisses de divertissement pour l'instant. On n'a pas besoin. Ce qu'il nous faudrait, ce sont plutôt les armes. Est-ce que quelqu'un va nous ramener des armes à la maison? Ah, elle a bientôt fini. Ah là là, dommage, il manque juste un tour. Bon bah c'est pas grave, hein. Merde, c'est où? Pourquoi je l'emmène par là? C'est où? 30, ah c'est là. C'est là, mais pourquoi je l'emmène par là, moi? Mais c'est là qu'il faut y aller. Ah non, il y a déjà quelqu'un ici. Je suis trop bête. Pour pas poser deux personnes, donc je me suis trompé de sens.
C'est ici? Ah, c'est là. Ok. Donc prochain tour, on va la poser ici. Tout simplement. Elle a fini ou pas? Un jour. Elle? 6 heures aussi, mais elle s'en sort bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. 6 heures, on va le surveiller, hein, parce que certains, si je l'oublie, il va mourir, hein, sûr et certain. Finalement, 10 spécialistes, c'est pas assez, hein. Ça aurait été bien 15, on aurait bien foutu le bordel, on aurait attaqué partout, partout. Ce serait être braquage à l'italienne, quoi. Hein? C'est quoi ça? Garde-manger. Ah, garde-manger. Garde-manger, c'est plutôt par ici. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire travailler les autres. On ramasse tout ce bordel là. Oui, enfin ils arrivent. Oh là 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 là. Allez, dites-moi que vous êtes 10. Putain, c'est quoi ça? Oh, c'est pas beaucoup, hein. Bien sûr qu'on va vous accepter. Non, 5 personnes seulement. What the fuck? Ah, on a quand même 20 dégâts. 20 dégâts, 6 pas. Recyclage. Oh là 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 là, recyclage 200. C'est bon ça. Voilà, là ça va compliquer les choses, les amis. On n'a plus de place. Il va falloir qu'on. Va falloir qu'on supprime des nôtres. Je vais les accepter. Et on va mettre des docteurs dedans. Et il y a déjà quelqu'un. Il y a combien de malades? Deux malades, c'est bon. Ok. Donc là, ça fait 7 personnes de libre. Je vais les mettre ici, au bois. Ici, j'ai besoin de métal. Je vais rajouter une deuxième personne. Où encore? Ici, au commerce, j'ai besoin d'une personne. Bah voilà, c'est tout, c'est fini. Ça va vite, hein. Spécialiste en danger aux portes de la mort. Il a fini ou pas? Ah, il a fini. Oh, c'est trop risqué. Bon, bah les amis, on le ramène à la maison vite fait. Allez, monte dans la voiture. Et retourne à la colonie. Et voilà. On n'a plus de voiture. Mais c'est pas grave. On récupérera la voiture un peu plus tard. Ça y est, enfin, on peut l'installer. C'est parti, les amis. Boum. Pourquoi je peux pas construire? Putain, qu'est-ce que j'ai fait de bêtise là? Qu'est-ce que je fais? Comment ça se fait que je peux pas construire un avant-poste? Impossible dans un secteur occupé. Ah zut, le secteur il est occupé par les commerçants. Ah mince, je savais même pas. Comment on va faire? Ah, ça change tout là. Par contre, je sais pas si on peut mettre deux au même endroit. Ça m'étonnerait parce que sinon ce serait de la triche. Bah 30, si on peut pas récupérer, ça va être 25. Ici c'est 25. On va le ramener plutôt vers ici. Tant pis, hein. Ça y est, elle a fini aussi. Est-ce qu'elle peut rentrer, elle? Ouais, je pense qu'elle va rentrer parce qu'elle est bien blessée. Ah bah tiens, elle est encore là. Ça c'est bon ça. Les pièces électroniques, c'est très important. Oh là là, c'était justesse, hein, il a failli mourir. Elle attend quoi?
Ah bah elle a fini, elle peut venir, c'est bon. Et voilà. Quoi? Quoi, elle rentre pas? Attends, c'est quoi le problème là? Mais pourquoi il peut pas? Enquête sur site 2 sur 3. Pourquoi il peut pas rentrer dedans? Ah, je crois que c'est parce que c'est lui là. Il faut d'abord le tuer. À mon avis, c'est ça. Donc elle, elle va gagner, mais limite, très limite. Elle va être blessée quand elle aura fini. Je pense qu'on va envoyer quelqu'un d'autre. Des médicaments. Des composants. Oh, c'est bon ça. Voilà, je vais l'envoyer par ici plutôt. Elle, je vais l'envoyer par ici. 8 pas pour arriver ici. C'est chaud. C'est très chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Mince. Bah c'est pas grave, au moins c'est 30, c'est pas 25. Allez, c'est parti. Tu viendras ici. 25. Bon. C'est fait, c'est fait. On a combien à la maison? Vraiment spécial. Autant de personnes compétentes et qui travaillent toutes pour nous, je dois rêver. 10 spécialistes en même temps qui travaillent. Vous avez vu? Donc elle, 200 de recyclage, je vais la mettre à travailler. Hein. Elle va sortir d'ici. Elle va sortir d'ici et vous allez voir, on va l'envoyer sur site. Ça va être du vite fait bien fait. Je peux pas. Oh, c'est loin, hein. 11 heures seulement pour elle. Elle a combien d'attaque, elle? Attends. T'as combien d'attaques? Bah, c'est quoi le problème? Pourquoi je vois pas bien là? Ah voilà. Dégâts 20. Ah ouais, dégâts 20. Donc on va l'attaquer, hein. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Uh-huh. 23h. Yep. 11h, un jour. How may I help you? Bah, on va encore attendre un petit peu. Ok. Alors, mon centre de pollution, est-ce qu'il est fait? Il manque 15 de béton seulement. Ah bah voilà! Hiver. Manque 15 de béton, j'ai pas pensé à acheter dans un premier temps, je suis trop bête. Alors, brûleur maintient les abris au froid, les lieux de travail au chaud, les colons exposés au gel froid meurent, hypothermie, les animaux ranch peuvent mourir de froid aussi. En gros, il faut du chauffage pour tout le monde, d'accord? Alors, est-ce que toutes les zones sont couvertes? Ah, j'ai pas pensé à mettre une place pour le chauffage. Ah oui, de toute façon, ça va geler. Donc là, on envoie tout le monde à récolter, hein, d'accord? Dès que vous entendez qu'il y a un événement qui arrive, tel que le froid, la sécheresse, vous faites récolter absolument tout. Vous n'attendez plus. Sinon, vous allez tout perdre. Voilà, les amis. Donc là, on va monter sûrement à 650. Et on va préparer les chauffages. Ici c'est bon. Ici il n'y en a pas du tout. Je vais essayer d'en poser un. Voilà.
Et on va envoyer quelqu'un le faire. Il a du mal à récupérer, lui, le pauvre. Oh là là, regardez tous les médicaments qu'on a, les amis. Sans acheter, on a tout ça comme médicaments. C'est vrai, là, l'efficacité des gens, c'est incroyable. Des spécialistes, hein, quand on les forme bien, climat devient plus froid. Ouais, il va falloir qu'on mette des chauffages partout, sinon, ça va pas le faire, hein. Bon, on va l'envoyer à le faire. Comme ça, c'est plus rapide. Alors, est-ce que les zones... Ah, ici, c'est couvert aussi. C'est parfait. Il manque juste cette maison. Il va falloir trouver un moyen aussi. Le commerce, ici, ça va pas du tout. Il n'y a personne. On va envoyer quelqu'un pour le business tout de suite. On va récupérer du béton. Parce que sans béton, on va être bloqué un jour... Troquer, il va falloir qu'on lui donne quelque chose. Normalement, on peut faire avec du bois parce que le bois c'est gratuit. On peut planter nous-mêmes, mais il faut une tonne monstrueuse. Je vais prendre 100 pièces pour voir combien ça coûte. Ça me permet de construire déjà pas mal. Et si je prends tout, 300. Je vais tenter le coup, les amis. Avec 300, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui donner quoi à la place? Je vais pas lui donner tout le bois parce que sinon c'est la merde, hein. Le poisson, ça avance pas. Je vais essayer. Il va nous en rester un tout petit peu. C'est risqué, hein. Je vais laisser comme ça. Et je vais vendre du poisson à la place. Puisqu'on a beaucoup de viande. C'est pas un problème. Il reste 125. On va lui donner du gibier. Voilà. Affaire conclue. On prend tout. Comme ça, ça va nous permettre de construire plusieurs choses en même temps. Allez hop, on prend le risque. De toute façon, on a assez de monde pour récupérer du bois. C'est pas un problème. C'est parti, les amis. Donc là, il reste 62 bois. Ici, on n'a plus besoin de lui. On va l'envoyer à travailler, à récupérer du bois le plus vite possible. Est-ce que ici on a besoin? Oui. Lui, docteur, on n'en a pas besoin pour l'instant. On l'envoie aussi travailler. Voilà. Le commerce. Ah, le cimetière, on n'en a pas besoin pour l'instant non plus. Où est-ce que je peux le mettre à travailler? Le charbon, on en a beaucoup. Je vais quand même... forestier. Ah, il va falloir qu'il plante un peu plus vite quand même, hein. Alors ça y est, là c'est terminé. Il n'y a plus de plastique. Non. Non. Là c'est trop loin. Ah, ici. Ok, va pour ici. Oh, ça fait une trotte, hein. Va falloir que je crée une route. Allez, on va envoyer une route parce que sinon, ils vont avoir des problèmes de hypothermie. Voilà. Donc, ce centre-là... Bientôt ce sera fini, on pourra récupérer des pollutions
et ramener, déposer ici. On en est où ici là? Ah. Avance. Yes. Your orders. Yep. 11h. What's up? Elle attend. Ready. On attend. 4 jours. C'est pas vrai. Yes. Oh, il est fatigué. Ready. Pourquoi il est si fatigué là? Ah non, il est pas fatigué, c'est le temps restant. Ah, le temps qui avance. Non, je me suis trompé. Ouf. Attaquer. Ah là, prochain tour, on pourra les attaquer. Une fois qu'on aura fini de les attaquer, on pourra, puisqu'ils sont rattachés, ces deux-là. Ils sont rattachés ensemble. Ok, très bien. On va attendre un peu. Yes. Ah super, là c'est terminé, la saison d'hiver est terminée, on enlève, on replante pas. Ah, les bandits arrivent, ça tombe bien. Par contre là ça va être chaud, ils vont nous démonter la gueule, on va ramener les spécialistes par ici. Ça tombe bien, on a tous les spécialistes à la maison. Oh, ça va chier les amis, ça va chier. On enlève. On enlève et on va optimiser. On va optimiser tous les champs. Ah, il reste encore un, mince. Ok, on les laisse terminer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de place? Devant votre portail. Ok, on va les attendre un peu. Les laisser... C'est quoi ça? Il n'y a plus d'espace de stockage ou quoi? Oh, 97 les amis! 97! Ressources autorisées. Ah ouais! Donc là, on est obligé de construire un stockage... Dépôt de maintenance, réparation, stockage général. Où est-ce que je peux mettre ça? Ici? Ici, c'est pas mal. Ça y est, l'hiver est là. Ça va chier. Je demande si je vais pas trop l'éloigner un peu, le stockage plutôt. Je sais pas où je vais mettre le stockage là. Il faut absolument qu'on mette un stockage là. Bon, on va le mettre ici, hein. Tant pis. Non, on va pas mettre ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Et on va allumer les chauffages. Je sais pas quelle température il fait. On voit où. C'est que le commencement, mais bon. Allez, c'est pas grave, j'ai beaucoup de bois, j'ai beaucoup de bois de chauffage. C'est pas un problème. Par contre, ici, bah non, c'est pas la peine puisque l'hiver, il travaille pas. Bon, vous voulez nous attaquer? On va vous attendre. Préparez-vous au combat, c'est parti les amis. Boum.
Nous n'avons rien à vous donner. Leur donner beaucoup de nourriture, il est hors de question. Alors, le temps difficile. Des larmes coulent des yeux de la femme. Les autres membres du groupe posent à terre leurs sacs à dos et saisissent leurs armes. Je vous l'ai dit, on a besoin de nourriture, je suis désolé. Ah, les pauvres, j'aurais peut-être dû revoir la situation. Vaut mieux leur donner de la nourriture tant qu'on peut, plutôt que de les tuer. En fait, de les avoir tués comme ça. Ah, mais oui, la logique veut que si on les sauve, au prochain tour, ils peuvent revenir à la colonie plus vite. Alors que si on les tue, ils risqueront de mettre moins de temps à venir, ou alors moins de monde à chaque groupe. Lorsqu'ils viennent, et merde, on peut pas revenir en arrière. Donc on saura pour la prochaine fois. Tant qu'on peut, s'ils nous demandent gentiment de la nourriture, on leur donne de la nourriture. Les pauvres. Eh ben. J'ai complètement oublié de faire des recherches. Ah bah ils sont presque morts. Ah bah ils sont tous morts. Reste plus que deux. Regardez. Ouais, t'as réussi mais tu vas pas réussir hein. Ils ont réussi à pénétrer. Donc on va les battre hein. On a les spécialistes. Vous allez mourir. Tous les spécialistes sont là. Mais qu'est-ce qu'elle me fait avec son arc, elle? Oh, elle me saoule. Voilà, il n'y a plus personne. Oh. Ah, c'est dommage. J'aurais pu leur donner à manger quand même. Je savais pas que... Ah, bah c'est ici qu'on améliore la porte. J'ai complètement oublié. Allez, c'est parti. Lancer l'amélioration. Voilà. Et voilà, en un clin d'œil. Vite fait, bien fait. Bon, c'est qui se bat à l'arbalète? Ça me saoule, hein. C'est elle ou c'est elle? Non, mais lol. Yes, elle a... Oh là là, 400. Oh, tout ce qu'elle a récupéré, c'est fou, ça. Ok, on va l'envoyer rechercher avant. Voilà, elle est rapide. Hein. Yep. Alors, tu peux attaquer ou pas? Ouais. Voilà, ça va être vite fait, bien fait les amis. Il y en a pour 8 heures seulement. Ça va passer très très vite. Quant à elle, elle peut avancer. Combien de temps lui? 3 jours. Waouh. C'est pas grave. C'est qui se battait à la balette là tout à l'heure? 150, c'est pas elle, ça doit être elle. 9 dégâts. 9 dégâts. OK, bon bah les deux sont pareils. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir construire de plus? Ah, par contre les amis, je sais pas du tout comment agrandir le deuxième cercle. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me filer un coup de main. Dites-moi, j'ai jamais réussi à le trouver, cette chose. Dommage, hein. Ah, donc là c'est fini, on peut l'enlever. On peut la mettre ici par exemple. Voilà, il y a des malades, hein, d'accord. On enlève. Oh my god, il y a 11 personnes de libre. Comment se fait-il? Ah oui, parce que je les ai... Ok. Donc là, on va mettre une personne ici. On va mettre plusieurs personnes
Comme on est en hiver, on met plusieurs docteurs, on sait jamais. Est-ce que j'ai mis le stockage? Ouais, j'ai mis le stockage. Allez, c'est parti. Construction. Ah, c'est terminé. Donc, on va mettre ça ici. Ah, c'est pour ça que... D'accord. Bon, bah, dans ces cas-là, on va poser un autre centre de stockage. Garde-manger, on va mettre un autre juste à côté. On va mettre là, hein. Voilà. Et on va mettre un constructeur ici. Alors, on a 150% et on a 200%. Donc, elle, elle va aller sûrement à un emplacement spécial. C'est quoi ça? Plastique. Oh bah c'est à côté. Pourquoi je l'envoie aussi loin? Je suis bête. Recycleur de plastique. C'est là. Ah non, j'ai confondu le plastique et le métal. Ah zut. Bon bah tant pis hein. Est-ce que la route est faite pour lui? Du béton. Ah j'ai confondu le béton et le... Je suis bête. Le métal, attends il est où le métal? C'est quoi ça? Métal. Ah bah si. Ah le béton il est là, ok. Plastique, ok. Bon bah on va nettoyer les zones. Est-ce que c'est fait? Est-ce que j'ai ma livraison? J'ai toujours pas ma livraison. Mon copain t'es long hein, 14h. Ok, on va produire beaucoup beaucoup de bois les amis. Comme ça, ça nous permet de commercialiser. Qu'est-ce qui se passe? Un pack de boars has been causing trouble for a while. Une meute de sangliers agressifs pose des problèmes depuis certains temps. Depuis un certain temps, ils tournent autour de la colonie cherchant manifestement de la nourriture. Les colons se demandent s'il faut attaquer le problème. S'il faut s'attaquer le problème avant qu'il ne devienne incontrôlable ou avant qu'il ne soit blessé. Attaquer la meute, attirer avec de la nourriture. Attirer de la nourriture. Attaquer la meute. Si on attaque la meute, on risque d'avoir des blessés. Et ben, elle a l'air courageuse quand même. Hein. Attaquer pour voir. Affamé, nanana, les colons semblent en bordure de la colonie. En attendant le passage de la meute, lorsque le sanglier arrive dans leur champ de vision, les colons attaquent. La meute devient enragée et les charge en retour. Mais merde. Ah, ça y est, ils arrivent. Oh là, oh là, oh là, on met pause. On met pause, on met tous les attaquants dessus. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ils sont tous là, c'est cool. J'espère qu'il n'y en a qu'un seul, hein. Allez. Allez. Allez, tu vas mourir. Oh bah il y en a deux. Merde. Oh il y en a deux. Yep.
Bon, bah voilà. C'est bon. Bien ramassé. Ramasse. Et ramasse. Oh, c'est pas fini. Mince. Merde, il va tuer quelqu'un là. Ah, j'y crois pas, eh. Mais vite! Attends, je vais perdre quelqu'un. Ok. Bah, c'était moins une, hein. Pourquoi il peut pas récupérer là? Ok, d'accord. Tu récupères ça. Toi. Tu récupères ça. Toi, tu récupères ça aussi. Et il est blessé. Est-ce que j'ai tous les docteurs normalement? Oh, ça fait trop loin. Laisse tomber le centre de dépôt. Laisse tomber, je perds trop de temps. J'ai déconné là. J'aurais dû détruire un truc ici et le poser à la place. Comme ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Putain, je suis con. Bon, t'as le sanglier vidé. Tempête hivernale, ok, ça c'est fait. Centre de recherche. Ok. On en est où, hein? Tu peux bouger ou pas? Tu peux pas bouger? C'est quoi ça? Ah, ça c'est le commerce. Toi tu peux pas bouger? Ah, quand même. Ça y est, elle a fini. Donc là, elle transporte quoi sur elle? Beaucoup de choses. Des armes aussi. Ah ouais, c'est bon ça. Ben, je pense que tu vas rentrer, hein, ma belle. Elle est blessée. Là, il y a pour 2 jours. Ça va pas. Elle va pas tenir. Bon, on la ramène à la maison. Elle aussi. Elle aussi, on l'a fait récupérer. Attends, hein. Je regarde par rapport à la recherche. Je regarde par rapport à la recherche avant toute chose. Elle, normalement. Voilà, c'est fini. On a gagné, je savais. Ok. Oh là là, on a récupéré tout ça les amis, beaucoup d'argent. Caché dans l'ombre, toutes les planques du gang des loups ont été nettoyées et brûlées. Le butin n'est pas aussi important que vous l'espériez. Probablement, ah, moi je suis bien content quand même, hein. Beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Parce que le gang aime se déplacer plutôt que de tout amasser au même endroit. Cependant, chaque don compte pour la colonie. Bah oui, bah oui, bah oui, je suis d'accord. Pourquoi personne peut rentrer là-dedans? Ah, quand même! Ah, quand même! A large dome-shaped building greets the visitors. Deep scratch marks decorate the thick steel door forced slightly ajar. Oh là là! Regardez. Après avoir descendu tout ce qui semble être des milliers de marches. Le spécialiste pénètre enfin dans une ouverture plus grande. Des cadavres momifiés jonchent la pièce sombre. Un journal est trouvé près d'un corps, d'un petit corps, et l'écriture griffonnée adresse un tableau sinistre. Papa a arrêté de bouger ce matin. Mes cheveux tombent.
Oh, les pauvres, ils se sont transformés, mutés. Les adultes disent que c'est juste de la pollution et que nous pourrons bientôt ressortir. Très bien, très très bien. Je pense que c'est bon, hein. Elle a rien, donc on va l'envoyer récupérer des choses. Mais où? Ici, elle en a pour 14 heures seulement. Est-ce que je vais attaquer quelqu'un avec elle encore? Est-ce que je vais attaquer quelqu'un? Est-ce que je dois attaquer quelqu'un encore? Ah, ici à faire, ok. Donc elle, je vais l'envoyer là. Sorry, can't do that. Yes? Ok, on va arrêter là pour l'épisode, les amis. Ça fait déjà 1 heure passée, c'est pas mal. Je m'en suis bien sorti. Maintenant, j'ai 44 personnes avec 7 personnes de libre. C'est pas mal. Tiens, je vais mettre peut-être 2 pêcheurs. Ouais, 2 pêcheurs, ce serait bien. Pour l'instant, on peut pêcher l'avantage avec l'hiver. Ah mince! C'est bloqué. Ici, une autre personne. Ici, il n'y a pas besoin pour l'instant. Ici, forestier, on va mettre 2 personnes. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ok, on diminue. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà, les amis. Pensez à liker et à vous abonner. On se revoit très, très, très vite pour un prochain gameplay. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye.